Pourquoi ? Hello les gourmands. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va couper du bois pour les déguster. Vous êtes prêts ? C'est parti. Pour les ingrédients, il vous faut 175 g de farine, 5 g de levure et un sachet de sucre vanillé, 60 g de sucre, des amandes émondées, un œuf, 110 g de beurre, du coulis de framboise. Pour commencer, venez mettre votre beurre. Donc votre beurre, il faut qu'il soit ramolli. Donc sortez-le un petit peu avant du frigo. Vous venez ajouter votre sucre. Essayez de le mélanger un peu. Ensuite, vous venez ajouter votre œuf, la farine. Donc dans la farine, il y avait la levure et le sucre vanillé. Donc voilà, une fois que tout ça est fait, on peut venir mélanger. Donc aidez-vous d'une spatule et puis ensuite venez faire avec les mains pour bien mélanger votre beurre à votre farine. On commence à vraiment obtenir notre pâte. On va bien venir mélanger encore. N'hésitez pas à l'écraser pour bien que le beurre se mélange avec la farine, que vous ne tombiez pas sur des morceaux de beurre. Donc voilà, votre petite pâte. Donc c'est parti, on va passer à la confection des doigts. Donc une fois que vous avez votre pâte, vous venez prendre tout simplement un petit bout que vous venez mettre en boule. Et là, tout simplement, on va essayer de lui donner une forme de doigt. Donc pour ceux qui ont des gros doigts, ben vous faites des gros doigts. Ceux qui veulent des doigts un peu plus fins, donnez des doigts un peu plus fins. En pensant que, voilà, hein, vous voyez votre doigt, on va dire que c'est celui-là. Vu que là, c'est un peu plus fin. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient rouler le côté fin pour que ça épaississe un peu ici. N'hésitez pas, si vous trouvez que le doigt il est un peu trop grand, à venir couper un petit bout. Où je vais couper par ici, comme ceci. Et là, là vous voyez sur vos doigts, vous avez les petits traits. Donc pour faire ces petits traits, juste avec le couteau en fait, incisez comme ceci. Et pour l'ongle, on va venir servir des petites amandes qu'on va mettre ici. Donc appuyez là un petit peu. Après vous venez replier votre doigt ici. Et voilà, vous avez votre petit doigt qu'on va mettre en cuisson. Donc c'est parti, on va mettre nos doigts au four. 15 minutes à 180 degrés. Veux-tu goûter un doigt ? Oui. C'est super bon, hein, en tout cas. Si tu veux te transformer en loup, mange un petit doigt. Si tu t'abonnes pas, on viendra après te les couper. Alors abonne-toi et lâche un like. A bientôt dans tes cauchemars. Et regarde, il y a Bruno qui fait. Ah non. Ah non. Ah non, pas du tout, mais bon, oh là là. Vas-y. Si tu veux te transformer comme nous. Quoi, ne rigole pas. Ah, ça me tire les poils en plus. Concentré. Vas-y. Si tu veux te transformer. Arrête. Si tu veux te transformer en nous, mange. Tu te réveillais comme ça? Tu te réveillais comme ça tout le long? Non, au début j'ai tenu, mais d'un coup, il est venu. On réessaye une fois.